Full Monty, hommage bien sûr à ce chef-d'œuvre The Full Monty, vous avez tous le sien. Présenté par Jean-Luc Gaillard, lui aussi un spécialiste des striptease improvisés. Et l'objet du jeu de Full Monty, bien sûr, vous avez tous le sien. Alors, croisement assez étonnant, hein, entre Mister Full, étalon anglo-arabe issu lui-même du croisement de l'AQPS, de l'USF du Full et de l'anglo-arabe Essibel. Avec une mère par le sprinter Kailaki. On va marcher, s'il vous plaît. Et une grand-mère par le groupe danseur. Alors, vraiment, c'est des croisements tout à fait improbables, très intéressants. La mère, Lady Aline, elle s'est imposée à Longchamp. Elle a gagné en Allemagne. Elle a gagné en Allemagne également. Et c'est la famille descendante de Ambla, la quatrième mère. Vous pouvez revenir. Elle est partie avec groupe 1 à 2 ans sur les commandes de Denis Marquette sur 1200 mètres. Et mère de Zeno Elsie, qui a été un champion au Japon, gagnant du Mike Chiangucci sur ses 100 mètres, évidemment, avant de devenir étalon. Donc voilà, une souche qui s'est diversifiée en Angleterre et au Japon, avec une mère par le sprinter Kailaki, lui-même digne fille de pivotal, tout comme Sylvie, et un père Mister Full, étalon de Jean-Luc Gaillard, qui nous présente à nouveau un modèle splendide. Nous avons brillé de mille feux avec le numéro 13 ce matin de Kerkoy. Peut-être, va-t-il faire coup double avec ce Full Monty, né le 20 mai, mais né tardivement pourtant Thierry Gonzel, le 20 mai. Et c'est le premier participant de Lady Ali, qui a ensuite été croisé avec un étalon arabe qui s'appelle Al-Amir.